Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se faire du Destiny, mais cette fois-ci ce sera pas de l'histoire, on va se faire un truc un peu drôle. Donc d'abord on va parler, donc je suis désolé de pas avoir joué pendant une semaine parce qu'en fait j'étais en vacances, ou du moins pas moi mais ma copine, et du coup je suis resté avec elle et je vous ai pas fait de vidéo du coup. Et donc je m'excuse pour ça. Aussi, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc au niveau des let's play de Destiny, je ne pense pas les continuer, tout simplement car l'histoire je l'ai faite et que franchement elle est pas tip top à montrer quoi à des gens. À savoir, il y a juste qu'on va rencontrer un personnage qui va nous dire qu'il y a telle race qu'il faut exterminer. Donc ils vont nous dire d'aller voir d'abord les éveillés, qui vont nous dire d'aller tuer un mec. On va rapporter la tête du mec, ils vont nous donner une carte et on va aller tuer le cœur même de cette race-là. Donc voilà, c'est le dernier épisode. Après le dernier épisode, si vous voulez, je pourrais vous l'uploader pour que je puisse tout simplement vous le présenter si vous avez envie de le voir. À vous de me le dire dans les commentaires. Aussi, j'ai reçu le jeu Alien Isolation, donc bien sûr, des vidéos dans peu de temps. C'est un jeu d'horreur et d'après les critiques, il a l'air franchement génial. Et même moi, quand je vois la boîte, j'ai qu'une envie, c'est de le tester, mais bien sûr, faut que je découvre avec vous. Donc du coup, j'ai attendu pour faire la vidéo et je vais la faire sûrement là ce soir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, sûrement, je vais... parce que je n'ai pas de sous, je vous le dis, hein, voilà, j'ai franchement pas de sous. Et j'aimerais acheter pas mal de jeux comme The Crew, pour ceux qui connaissent, sur PS4. Il y a aussi The Order qui va sortir en janvier ou février, je crois. Il y en a un autre, alors, il y a un jeu d'horreur dont je me rappelle plus tout le nom. Si vous voyez, pour la pochette, c'est tout simplement une pochette blanche, rouge et noire, avec, je crois, une fille qui se fait tout simplement... qui est entouré de barbelés avec du sang un peu partout, hein. C'est un jeu d'horreur, donc voilà. Étant donné que beaucoup avaient aimé ma série sur Outlast, qui était un jeu d'horreur, parce que ça faisait assez marrer de me voir flipper et me pisser dessus pendant toute la soirée à chaque fois que je tournais mes gameplays à 4h du matin. Et donc ensuite, il y avait d'autres jeux, mais je me rappelle plus, bah, il y a aussi Advanced Warfare de Call of Duty. Et je crois que c'est tout ce que j'ai commandé. J'ai dû précommander à peu près tout ça, et donc du coup, vu que je n'ai pas de sous, ben, je vais tout simplement mettre en vente quelques trucs personnels qui sont à moi pour pouvoir les acheter, parce que je crois que sinon je vais devoir tout simplement enlever mes précommandes. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais poster des petites annonces sur ma page FB. Donc il y a un paintball, et aussi je vais sûrement vendre mon casque que j'avais pour la Play 3 et qui marche aussi pour la Play 4. De toute façon, tout sera indiqué dans l'annonce que je ferai sur ma page FB. Pour retrouver ma page FB, c'est tout simplement soit dans les descriptions de mes vidéos, soit vous pouvez cliquer sur ma bannière, il y a un petit logo FB, vous cliquez dessus, vous pourrez rejoindre. J'y poste aussi des annonces pour faire des vidéos avec les abos. D'ailleurs, on a aussi atteint les 6000 abonnés, donc je vous remercie beaucoup. Je sais, j'ai pas fait de vidéo abonnée cette fois-ci. On en fera une dès que Call of Duty Advanced Warfare sortira. Donc peut-être qu'on aura atteint les 7000 abonnés, je sais pas. Ça a commencé à augmenter un peu plus depuis quelques jours, on va dire. Même depuis un mois à peu près, les abonnés augmentent un peu plus vite qu'avant. Même si au tout début, ça augmentait vraiment beaucoup. Parce qu'au tout début, je faisais du glitch sur GTA V et que je me faisais 1250 abonnés par mois à peu près. C'était mes statistiques sur YouTube. J'étais content, mais ça s'est arrêté dès que j'ai arrêté les glitches, hein. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'abonnés d'ailleurs qui sont actifs. Il y en a beaucoup qui sont abonnés à la chaîne mais qui regardent pas les vidéos parce qu'ils aimaient justement mes glitches, mais du coup je les ai arrêtés. Et j'ai un autre truc à vous dire encore une fois, c'est que j'ai créé un clan sur Destiny, et tous ceux qui veulent bien sûr se mettre en L2O peuvent le faire. Je vais ouvrir le clan, il vous suffira tout simplement d'aller sur le site bungie.net, je crois, ou .fr, pour pouvoir rentrer dans le clan. Donc vous marquez juste L2O dans la recherche de clan et vous devriez le trouver, je pense. Je vais l'ouvrir pour tout le monde. Pour ceux qui veulent jouer avec moi sur Destiny, il y a peut-être possibilité qu'on le fasse, parce que pour le moment j'ai pas un seul abonné de toute façon sur la Play 4 avec qui jouer, donc ça pourrait se faire franchement. Donc envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire sur YouTube, sur la vidéo, et on verra ça pour la suite. Et donc voilà, moi je vais maintenant vous faire ma petite vidéo, donc tout simplement... Ah oui, déjà aussi. Donc comme vous pouvez le voir, comparé à ma dernière vidéo, j'ai énormément augmenté en niveau. Donc je suis niveau 28 et bientôt 29, je vais sûrement passer ce soir ou demain selon ma chance. Donc je suis un arcaniste, j'ai mes deux doctrines à fond, j'ai pas mal de... Enfin non, j'en ai plus maintenant...
d'exotiques, mais j'en avais à peu près 7 ou 8, mais j'ai tout viré parce que ça me servait à rien de les garder, j'aimais pas les armes et j'aimais pas les armures. Par exemple, avoir deux casques en exotique, ça sert strictement à rien, donc j'en ai viré un. Pareil, j'en avais un pour... je crois que c'était le torse, non c'était les gants, j'avais un truc pour les gants, et je l'ai viré, j'avais un truc pour les bottes, je l'ai viré. Voilà, tout simplement parce que ça servait à rien de les garder et que je pouvais augmenter mes niveaux en faisant ça. Donc maintenant je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, bah d'ailleurs j'aurai une particule de lumière au prochain kill que je vais faire vu ce qu'il me manque d'expérience. Et j'ai quelques trucs à aller m'acheter, bon voilà, hein, vous voyez à peu près ce que j'ai. Hein. J'ai limite que du légendaire. Pour l'instant j'ai eu que des armes principales au niveau exotique, mais j'ai tout viré, j'avais eu les deux fusils de... comment ça s'appelle, qui tirent en rafale. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, mais j'aime pas du tout ces fusils, du coup j'aime pas du... enfin je les ai virés les deux. J'ai monté ce petit flingue, mais sincèrement il n'est pas tip top non plus, il est bien sans être non plus génial. Ce qui est bien c'est qu'il fait... il fait assez mal franchement. En plus il inflige des dégâts sur la durée, donc c'est un peu comme ça empoisonner les ennemis, ils deviennent verts et ils perdent 23 à peu près de dégâts, après ça dépend des ennemis, quand vous lui mettez une balle. Donc c'est ce qui fait le charme de cette arme on va dire, et il transperce ses ennemis, ça m'est arrivé de faire des collates avec voilà, deux ennemis qui sont alignés, tire-tête dans les deux. Mais son souci c'est qu'il a que 6 balles dans le chargeur et il recharge franchement pas vite comme vous pouvez le voir là, donc moi je vous le conseille qu'à moitié, ça dépend si vous adorez les revolvers ou pas, moi j'adore ça, du coup je l'ai pris, mais sinon j'aurais pas pris. Aussi si vous l'avez, essayez de tirer par terre et regardez la munition, c'est franchement super drôle. Et donc voilà, donc maintenant on va passer à la petite vidéo que je vais vous faire, donc voilà j'ai pris des contrats en PVP, et ce qu'on va se faire c'est... gagner 5 médailles post-mortem, parce que la dernière fois que j'ai fait, franchement, je me suis fendu la gueule et je me suis direct dit « Putain, faut que je refasse une vidéo sur ça !» Donc elle va sûrement être courte, je vais faire un petit montage avec tous les petits fails et compagnie, parce que la dernière fois, par exemple, j'étais devant un mec, je vous jure, alors il était en train de recharger devant moi, alors déjà je le regardais, je me suis arrêté devant lui parce que je voulais qu'il me tue en fait et que je le colle avec ma grenade en même temps. Du coup, je le regardais, il rechargeait et je bougeais même pas. Alors du coup, au moment où je l'ai vu qu'il avait ses balles en chargeur, je lui lance la grenade dessus. Puis là, je le voyais tourner dans tous les sens, il tirait partout. Et il m'a pas foutu une seule balle. Et du coup, je lui ai défoncé la gueule à la grenade. Et c'était franchement épique l'action, parce que ça a duré franchement quoi, 15 secondes quoi. Et pendant 15 secondes, il apparaissait à me tuer alors que je bougeais même pas. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à tout de suite, on va se faire cette petite vidéo sur les post-mortem. Donc à tout de suite. Allez, c'est parti pour les 5 post-mortem. On va bien se marrer. Et en plus de ça, il est 11h du matin et on vient juste d'avoir l'événement bannière de fer. On va aller tester ça et je pense que ça va être pas mal. C'est parti! Équipe, bravo! Bon, bah du coup... la bannière de fer, c'est des trucs normaux. Il n'y a qu'un seul moyen de gagner. Un set entier de... capturer les zones et détruiser les lignes. Je me suis chié. Un set entier de mode de vie. Vous avez capturé la zone C. Vous passez en tête. L'ennemi a capturé la zone A. Par contre, il y a du monde qui va arriver. Vous avez capturé la zone B. Oh merde, j'ai loupé le coup. Oh putain, j'avais mal des grenades. Petit. Viens prendre ta bastos. Agite. Zone C perdue. Ok, ils sont là. Allez les gars, retournez-vous. Vous êtes tiré dessus pour vous. L'ennemi a capturé la zone C. Oh non le con. Ah bâtard avec le fusil. Zone A neutralisée. Ça me fout les boules.
Zone A. Ah, j'ai pas une grenade. Ah putain, et bien sûr, elle arrive au moment où je me fais baiser la gueule. Regardez. Ah, vous n'êtes plus sûr. En tête. Ah, ah, je t'ai loupé. B, ah, ah, putain, je suis dégoûté. Que dalle de vie. Déjà, il a pris la zone B. Pété. Voilà, ça. Celle-là elle est bien mais que contre les monstres. Hop. Petit. Toi t'es juste. Je sais pas si t'es en dessous ou au-dessus. Mais j'aimerais bien que tu sortes. Ton trou à de merde. J'ai pas de. Zone A perdue. Mais là. Okay. D'accord. Je m'y suis diglingué la gueule. Munition lourde en approche. Cadeau mon chou. Ah. Oh. Munition lourde disponible. Oh la chatte. C'est la grosse bitade du délire. Pile, venez là que je me bats. Et oh t'as. Ah Tichou, t'as raison toi. L'ennemi a capturé la zone A. Tichou. Personnellement, j'en ai rien à foutre qu'ils aient gagné leur territoire. Zone A neutralisée. Ensuite d'invitation, toi tu dégages. Équipe a non mais sérieux, vas-y, venez là. Prends ta grenade. Et tue-moi. Bordel, elle est post-mortelle, mais je sais pas ce que c'est. Oh là là, c'est plus que c'était hein. Oh culée, Dijou, tu veux. Toi je te retiens. Deux fois qu'il m'encule comme ça. Zone B neutralisée. J'aime pas trop les gens qui persistent, tu vois. T'es où? T'es là. Enfin un boss mortel. Un méchant, je vais devoir en faire quelques-uns quand même avant. J'ai les grenades, j'en ai eu. L'ennemi a pris la zone B. Oui. Oh non, ça l'avait pas collé, c'est resté à ses pieds. Mais ça lui a enlevé que dalle de vie. Non mais zone sérieusement B quoi. Neutralisé. Attendez-moi les filles. Oh. Est-ce que vous avez capturé la zone B? Je commence à m'inquiéter. Putain, j'ai pris une sacrée roue les lui quand même. Zone que A perdue. Normalement j'arrive dans les premiers à chaque fois. L'ennemi a capturé la zone A. Ah putain, vous avez neutralisé la zone C. Attendez-moi. Vous avez capturé la zone C. Zone B perdue. Les gars, on assiste. Oh. L'ennemi a pris la zone B. Oh là, il n'y a pas que deux personnes là. Personne, bien sûr. Oh, je sais pas ce qu'il a éliminé 10 ennemis. Oh, il s'est fait une série de 10 en vrai. Oh, bien sûr qu'on est avec un mec qui est à la moitié de sa vie, mais pas aller qu'il est, c'est super. Sinon, c'est pas drôle, franchement. Toi, tu as beaucoup de chance. Ah, toi, tu es pas connu. Putain. Eh, hey, sérieux. Je vais te renvoyer en enfer toi avec tes putains de super à la con. Je vais m'en prendre deux d'affilée quoi. Petit temps de merde. J'ai pas zone B neutralisée. Zone B sécurisée. Ah, oh oui.
Oh, oh oui, Toxie. Oh non. C'est perdu. Oh oui. Oh putain. Deux. L'ennemi a capturé la zone C. Je fais un score de merde, par contre. Je joue pour les post-mortem, ok. S'il y en a un seul qui me fait chier par rapport au score, ça va chier. Bon, les filles, vous êtes où, là? Putain, mais ils prennent A et C en même temps. Plus que 5 minutes. Gland, gland. Putain. Mais vas-y, reste au fond de ta map. Reste au fond de ta map, neutralisé. On se donne rendez-vous, a pris la zone okay. B. Vous avez capturé la zone. Ce sera pas galant, je peux te l'assurer. On se bat pour gagner. Alors battez-vous. Ouf. Oh mais salope. Putain, pire que des virus ces trucs. Je te jure. Zone C perdu. Que cela vous serve. Putain l'enculé. Seuls les plus forts. Sérieusement quoi. Il esquive ma greu quoi. Je la lance, il fait un petit tourniquet à droite, gauche. Vas-y, normal. C'est la danse du oula oula. Oula oula la grenade. Pédé. Et j'ai cru que j'avais oublié de lancer L'ennemi a capturé la zone C. J'étais parti moi, je commence à jouer. Je fais, vous avez putain, capturé la zone A. Oh là, il y a du monde. Tiens mon chou, vas-y, tue-moi. Oh putain, espèce de gros loup. Ah, je l'ai loupé. J'ai envie de tirer un gros mot, mais je me retiens. Putain, saloperie. Ouais, je vous jure, dès que j'ai fini ces trucs, les asmates, mais je vous les asmates. Tiens. Ah, merde, vous avez perdu l'avantage. Ouais, quand même, là, je commence à m'inquiéter. L'ennemi a pris la zone B. Il faut savoir que j'ai... Attends, vite. Pourquoi tu cherches pas plus vite, la greuve, putain. Il faut que je mette plus de trucs pour avoir les plus rapidement. Hop, les... Là, j'ai ma grenade. Là, il est mort, le type. Ah, j'ai pas eu le temps de la lancer. Ah, sérieux, j'ai foncé sur une grenade. Mais putain, je prends une grenade perdue. En général, je prends des balles perdues, tu vois, sur Call of. Ici, je prends une grenade perdue. Oh, les gars, laissez-moi le couloir. Zone B neutralisée. Et voilà. Boum, plus 1, ça nous en fait 3. J'y suis pas sûr, mais je crois qu'on a pas B. Vous n'êtes plus en tête. Et je crois même qu'on va... Non, c'est bon. Vous êtes pas en de grenade, tête. Donc... Attention. C'est pas moi qui l'ai eu. Oh la... La... Ouais, la... De ta... Ouais. Exactement. Zone C, voilà, si neutralisée. Je sens que ça va chier. Ouais, c'est tout, c'est chier. Ouais, ah putain, mais j'ai... Zone C, sécurisée. J'ai ma grenade. You. Super, nickel, venez à 6 ici là, venez à 6, on va rigoler. Vous avez capturé la zone B. Ils arrivent ici. Vous contrôlez toutes les zones. Les munitions lourdes arrivent. BUM ! L'ennemi a capturé la zone A. Il y a des munitions lourdes. Mais lance-toi la grenade, bordel, mon super utilisé pour rien. Désolé, je viens de me frapper, c'est pour ça que j'ai fait un truc chelou. Oula. Oula. Oula les filles, j'espère que zone vous êtes là B en train de prendre des perdu. Bombes parce que... Oh putain, zone B où c'est perdu. Où c'est zone A neutralisée. Non, sérieux. Zone A sécurisée. L'ennemi a capturé la zone C. BUM. J'avais prévenu. BUM. Oh sérieux. Oh sérieux. Oh le mec il a survécu. Attends, t'as vu où il a pris quand même. Il est à 2 mètres de sa tête. Oh. Ouais, je suis un gros rageux, moi. Faut pas me chercher sur... Même sur Destiny. Si tu m'en tues.
Zone B neutralisée. C'est quelque part par là, mais je sais pas où. Bien sûr. Bien sûr. Zone B sécurisée. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Pourtant, sur le radar, il me l'a fiché devant. Pas derrière. Je vais faire une téléportation. C'était pas une grenade ça, en tout cas. Zone A perdue. Je le charge au cas où, on sait jamais. L'ennemi a capturé la zone A. Zone C neutralisée. C'est sécurisé. Ah mais on l'a levé. J'ai pas de grenade donc il va falloir se mettre. Charlotte mon fucker. Zone A neutralisée. Ah le con. Bon ça devrait en avoir c'est perdu. La grenade. Zone A. C'est quand tu veux sécurisé. Pour apparaître. Putain, ça c'est un truc qui me saoule dans le jeu. L'ennemi a capturé la zone C. T'appuies sur zone carré B 50 perdu. Fois avant de réapparaître. Ah ma gueule. Pas une assistance. Elle y allait, elle y allait. Je l'ai pas eu. Zone B sécurisée. Ça charge pas assez vite. Il y en a trop tout droit. Je vais me baiser là. Je rate. Allez, il m'en reste un ou il zone me reste A perdu. Zone C neutralisée. Tue-moi. Espèce de noob, t'es aux pompes, merde. Zone C sécurisée. Bout de pied, putain, le con, il reste 1% de vie, là, si je fais pas une assist. Munitions lourdes en approche. Munitions lourdes disponibles. C'est toi qui vais, c'est juste 1% de vie. L'ennemi a capturé la zone non. A. Non. Mais qu'est-ce que tu foutais derrière moi? Merci. Plus que 5 minutes. Vous avez neutralisé la zone A. Ah merde, tu vois, je m'attendais à un truc mieux que ça. Zone C perdue. Fais chier. Zone A sécurisée. L'ennemi a capturé la zone C. Il y a encore des munitions. Hop, toi. Non, il s'est te parlé. Axe 4. Pas de place pour la pitié. De toute façon, je suis pas tapé d'action déliante. Zone A perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Sa balle, elle est pas passée là. Continuez comme ça et nous gagnerons cette guerre. Allez, un petit ennemi là, un petit ennemi. Un seul. Oh les filles. Knock you, putain, je me suis fait baiser. Bon mais allez, on est reparti pour une autre partie. Attendez, je vais regarder quand même. Je sais à combien là. Ah j'aime pas, je peux pas regarder quoi. Wouhou. Un ratio de 0,94, attention, ça devient sérieux. 4 sur 5, elle est plus qu'un, donc on fait une petite dernière et j'essaierai, dès que j'aurai fait mon petit post-mortem, j'essaierai de faire un tout petit peu mieux que ce que je fais depuis tout à l'heure. Et c'est reparti pour un tour. Je l'aime pas cette map.
Domination. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Pour faire le post-mortem, je pense que ça va être très bravo. Simple. Mais c'est le truc, le problème, c'est que les gens, ils sont... C'est l'heure de se battre. Prenez toutes les autres. Ça, je vais faire un post-mortem de là, je sens gros comme une maison. Vous avez capturé la zone C. Grenade. L'ennemi a capturé la zone A. Vous n'êtes plus en tête. Voilà, regardez. Voilà. Ah, je l'ai pas eu. Ah, la... Ah, j'ai fait un vous putain êtes de... En tête. Enfin, je l'ai eu juste avant de crever, quoi. À une seconde près. Ah, ah putain. C'est ça, c'est pour ça que j'aime pas ce map aussi, c'est que je loupe tout le temps la putain. Zone B, sécurisé. Quand tu les colles pas avec cette grenade, c'est même pas la peine, ils crèvent pas, hein. Vous pouvez y aller, type 50. Zone B, perdu. J'avais perdu l'avantage. J'ai regardé. L'ennemi a pris la zone B. Pousse-toi, j'ai vos crédales. Vous avez neutralisé la zone B. Vous passez en tête. Vous avez capturé la zone B. Oh le con. Ah le con. J'aime pas par derrière, putain. Putain, une copine ne vous l'a jamais dit ou quoi? Derrière, c'est pas fait pour zone B perdu. L'ennemi a pris la zone B. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, mais quel bon délire. Pas tuer les gens quoi. Allez putain, putain de carré à la con, mais marche. Ah c'est incroyable ça. Ah la peau aussi, le bébé de sur Destiny, je le déteste à cause de la peau, il y a des fois. Regardez. Franchement des scores de merde depuis trois parties. Eh monsieur Smith. Ah non c'était pas monsieur Smith. Monsieur Muff Geffen. Désolé Mister. Mister Muff Muggin. Attends, attends, attends deux secondes. Ah, neutralisé. Grenade, voilà. Aïe aïe, oh mais merde putain. Derrière j'allais me faire un putain. Des munitions lourdes arrivent. J'ai déjà plus zone A sécurisée. Sa tête. Sa petite tête de cou. Zone C perdue. Munitions lourdes disponibles. L'ennemi a capturé la zone C. Je voyais même pas quoi. Je suis à bug bordel. Neutralisé. Zone B sécurisée. Ouais, parce que ça me saoule là, les races de merde. Allez, on va voir. Tous ensemble, tous ensemble. Hey. Je l'ai démonté et hop, ça fait des munitions en plus. Zone B perdu. Hey. Hey. Oh, les pauvres types. Eh, vous voyez que j'en connais une munition. Zone B sécurisée. Oh il est pas mort. Comme quoi mon super il est pas si bien que ça. Un super bon super ça vaut pas la peine. Parce que son super eux ils ont aussi leur résistance en plus. C'est bien juste pour donner la tête aussi. Vas-y, vas-y, tue-moi. Oui. Finish, finish, finish. Vengeance, vengeance. Ça, c'est bon. Alors là, mon gars. Zone A là, perdue. Ça va swinguer. Zone C neutralisée. L'ennemi a capturé la zone A. Oh, mais saloperie, va. Zone B perdue. Je suis à combien? Zone je suis troisième de mon équipe. Sécurisé. Faudrait que j'essaie d'aller. Je sais pas combien de fois je suis. L'ennemi a pris la zone B.
Zone A neutralisée. Zone A sécurisée. Ah, ils sont derrière mon cul. Zone C perdue. Vous avez neutralisé la zone B. L'ennemi a capturé la zone C. Zone B sécurisée. Oh, t'es sérieux? T'as vu comment il tire dans la gueule? Putain, il aurait dû crever quand même. Faut pas abuser là. Zone A perdue. C'est le genre de mec que j'aime pas. Oh, et voilà, vous voyez? Tu lui lances une grenade. Je lui ai collé la grenade sur la gueule quand même. Sur la gueule. L'ennemi a capturé. Colle une grenade, t'imagines? On te scotche une grenade sur la face. Elle explose et tu greffes pas. Mission lourde en approche. J'ai envie de te dire, mais mec, tu me prends pour un con ou quoi? Zone A neutralisée. Il y a des munitions lourdes. Zone A sécurisée. Hop 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 là, on est 46 là sur les grenades. Oh c'est bon. Zone B perdue. T'inquiète pas mon petit, tiens regarde pile. Oh mais t'es sérieux, on fait 40 quand même, quoi. Vous avez capté. Je t'ai niqué ton super, hein, putain, en plus je les déteste, les chasseurs c'est nickel, franchement. Là, je suis mort. Les chasseurs qui cut là, qui sont, ils se font des 10 éliminations d'un seul coup comme ça, et ils arrivent dans le table. Ils se font perpétuer, quoi. Ils ont la vie limitée. Il reste 5 minutes. Et bien sûr. La joie de vivre. Je suis arrivé, je suis mec, ils m'ont tué en 2 balles. Je pensais que c'était des balles perdues. Là. Vous avez peut-être sous-estimé votre ennemi. Quand même troisième, hein. j'ai joué à la gore et tout, donc ça prouve que je suis pas si nul que ça. C'est là. Ah, je savais que j'avais été sur la droite. Zone C neutralisée. Il y a un autre truc qui me dérange sur le jeu aussi, c'est je sais jamais quel sens si je veux dire. J'ai mis une vidéo. Que cela vous serve de leçon. Seuls les je n'aime pas les hot dogs, ok. Le type, ils prennent en sucette. Bon, mais voilà les gens, moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que ce petit let's play, enfin, ou plutôt cette petite vidéo juste, vous aura fait plaisir. Donc pour ce qui est du contrat de fer, c'est tout simplement un truc un peu comme la reine, hein, l'ire de la reine, ils l'ont remplacé par l'ire de la reine, tout simplement. Donc il y a des trucs à gagner. J'ai vu qu'il y avait une bonne arme, après il y a deux couleurs. Il y a deux emblèmes aussi, mais les emblèmes sont royalement. Vous aurez juste à aller voir tout en haut, à la tour, vous savez, au milieu, là où était la reine avant, et vous le trouverez. Putain, je vais me casser de là, moi. Et puis voilà, moi je vais vous laisser sur ça, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.